Laetitia Milo tient à protéger sa fille de la lumière. Depuis qu'elle est devenue maman en 2018, l'ancienne actrice de Plus belle la vie a toujours veillé à ne pas montrer le visage de sa progéniture, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. À l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, parue en kiosque ce lundi 26 juin, la comédienne de 42 ans a expliqué son choix. Avec Badri, son mari, note de la rédaction, nous avons fait le choix de protéger notre fille des réseaux sociaux. Si est-il qui choisira de s'y exposer ou pas, souligne-t-elle, avant de partager une anecdote. Parfois, lorsque nous nous baladons toutes les deux, les gens me demandent, ou pas toujours, ce qui réveille la lionne qui dort en moi, de la prendre en photo. Je leur explique les choses avec le sourire et ils comprennent, assure Laetitia Milo, qui a elle-même dû apprendre à gérer la médiatisation. D'un coup, ça vous tombe dessus et vous vous demandez ce qui se passe. Vous ne pouvez plus marcher dans la rue sans que les gens viennent vous voir, parfois avec un certain manque de respect. Au début, si est-il oppressant. Mais un jour, j'ai transformé tout cela en force, détaille la maman de Niana. Et de préciser son propos, au lieu d'en avoir peur, j'ai décidé d'accompagner le public. Les artistes l'oublient parfois, mais si est-il grâce à lui que nous sommes là. Il me donne beaucoup d'amour et j'ai envie de lui rendre à mon tour, affirme celle qui n'a pas tardé à réagir à la mort de Michel Korde, expliquant ne pas vouloir créer une barrière entre ses fans et elle. Supérieure à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel. Retour sur les stars de Plus belle la vie, Laetitia Milo, ses rares confidences sur son mari Badri au cours de cet entretien avec nos confrères de Télé Loisirs. Laetitia Milo a également évoqué le père de sa fille, Badri, qu'elle considère comme son pilier. Avec Badri, si est-il plus que fusionnel, confie-t-elle. Il n'est plus nécessaire de parler pour nous comprendre. Dès que j'ai une décision à prendre, j'ai besoin de son aval. Si est-il mon pilier et il a beaucoup d'instinct, explique-t-elle au sujet de l'homme à qui elle est mariée depuis 16 ans. Crédit photo, Sébastien Legendre Panoramique.